Quand je pars en van, j'ai envie de bien manger comme tout le monde, des trucs qui ont du goût, des bons petits plats, sauf que j'ai pas forcément envie de passer une heure en cuisine au lieu de profiter du paysage ou de jouer avec Valentine, etc. Et comme j'ai pas forcément envie d'acheter des boîtes où du coup le goût est pas forcément certain, je préfère les faire moi-même et je vais vous présenter un petit peu les possibilités qu'on a à faire des conserves soi-même. C'est hyper simple en plus. Là, c'est un cake à la banane. Là, c'est du pâté nature. Là, la fameuse ratatouille que je vous présente aujourd'hui. Et là, c'est un test. J'en avais fait plusieurs et on s'est régalé. C'est du rôti à la graisse de canard. Avant de vous présenter ma recette, je vais d'abord vous énumérer un petit peu les avantages et les inconvénients de faire ces conserves. Premier avantage, c'est au niveau du stockage et de l'énergie de stockage. C'est vraiment hyper facile puisque du coup, on n'a pas besoin de frigo, on n'a pas besoin de glacière, on a juste besoin d'un endroit, d'un petit bac, si possible à l'abri de la lumière, pour stocker ces conserves. Deuxième avantage, eh ben, on ne perd pas de temps en fait à cuisiner, surtout quand on sort juste un week-end. Personnellement, moi j'ai pas envie de passer une heure à cuisiner le midi, une heure à cuisiner le soir. Troisième avantage, c'est très économique. C'est beaucoup moins cher que si on achète une conserve dans un magasin. En quatrième avantage, je dirais le goût, parce que du coup, il n'y a pas besoin de conservateur, il n'y a pas d'additif. Donc en fait, pour la santé, pour le goût, c'est vraiment au top. Et dernier avantage, eh bien c'est écologique. Parce qu'il n'y a quasiment pas de déchets, les joints sont recyclables, ça se met au recyclable, et les bocaux, bah, on les lave et on s'en resserre la fois d'après. Pour les désavantages, je dirais que l'achat des bocaux est un petit peu onéreux. Mais alors c'est vite dit, hein. Si vous voulez 6 bocaux de 1 litre, ça va être dans les 20 euros. Mais là encore, c'est possible de réduire le coût en achetant par exemple sur le Bon Coin des bocaux d'occasion. Il suffit de bien les nettoyer. Et après, les joints, je crois que ça revient à 15 centimes le joint par bocal. Sachant qu'au pire, on peut réutiliser un joint 2 fois, voire 3 fois s'il reste en bon état. C'est vraiment hyper simple. Ici, je prépare une sorte de ratatouille. Alors, je ne fais pas qu'une seule conserve, hein. Là, je vais faire 10 litres de légumes qui me fera environ 7 bocaux de 1 litre au final, parce que les légumes vont réduire. Donc, je coupe mes petits légumes. Vous mettez un petit peu les légumes que vous aimez. Vous assaisonnez. J'assaisonne pas trop parce que Valentine n'aime pas si c'est trop épicé ou quoi qu'est-ce. De l'huile d'olive et environ 3 litres d'eau. Je laisse cuire environ 1 heure pour tout ça. Je mets les légumes cuits dans les bocaux que j'ai bien nettoyés, caoutchouc et le bocal en lui-même. Pas la peine de le désinfecter puisque le traitement thermique arrive juste après. On remplit les bocaux jusqu'à environ 2 cm du bord. J'essuie le bord pour m'assurer qu'il n'y ait pas de gras, de dépôt ou une petite poussière qui puisse empêcher le joint d'être bien pincé et de faire son travail. Et je referme. J'ai acheté un stérilisateur de 40 litres parce qu'avant je faisais mes bocaux, justement je les stérilisais aussi dans la cocotte de 10 litres, sauf que du coup je pouvais faire beaucoup moins de légumes et au final je pouvais faire que 3 bocaux à la fois. Je remplis mon stérilisateur. Peu importe dans quel type de contenant vous faites ça, il faut s'assurer qu'il y ait 2-3 cm d'eau qui recouvre les bocaux pour que justement le traitement se fasse bien. Maintenant, je vais maintenir une température de 100 degrés pendant 1 heure. Ça peut varier, par exemple pour les pâtés, on les met directement crus, enfin la viande crue dedans, et le traitement thermique va durer 3 heures.
Je vous ai fait un petit exemple avec ce que je voulais faire sur le moment, mais donc c'est possible de faire quasiment tout en bocaux. Des lentilles au lard, du pâté, du rôti, du cake, des haricots blancs aussi. Mais on a tout mangé, c'était super bon. C'est super pratique et ça fait gagner vraiment du temps quand on est à la campagne pour pouvoir profiter de son week-end sans se prendre la tête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est un petit peu en complément aussi avec les viandes séchées, c'est pour vous montrer qu'il y avait différentes manières de stocker de la viande ou des légumes sans s'embêter et sans avoir besoin de complètement coloniser le frigo. N'hésitez pas à me faire part de vos recettes dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra en profiter. Et je vous dis à bientôt!